just got here. It really goes to show. You've put me in a box on my own free head. I'll always let me know. I think I'm being nice. Salut à tous, c'est Mister K, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo débriefing pour le compte de la 16e journée de DRKMA, un match qui opposait donc la section féminine des Girondins de Bordeaux contre le Paris FC comme vous pouvez voir à l'écran. Si mes vidéos te plaisent, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram qui seront dans la description. Et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. D'ailleurs, je vous dis direct, le prochain débriefing, ce sera donc à la fin mars. Avec le match ASG Soyou contre l'Anamang Guingamp. Donc, on est parti pour un nouveau débriefing. Coupé. Donc, pour faire ce débriefing de la section féminine des Girondins de Bordeaux contre le Paris FC, bon, déjà, je vous le dis d'ores et déjà, ouais, j'ai regardé un petit peu le début de match, et puis il arrive un petit peu avec le drame. Oui, mesdames et messieurs, ouais, bon, c'est juste le site de streaming qui a planté, enfin, le serveur a planté, du moins. Donc, malheureusement, j'ai pas pu voir le premier but de Katja Sonoric. Désolé si je le prononce mal. Donc, c'est sur une passe décisive de Khadija Shaw. Et donc, après, bon, ça s'est rétabli au bout de 15 minutes d'attente. Et je dois avouer quand même que la première période a été. Très animé. D'ailleurs, il y a un truc qui m'a un peu. Qui a beaucoup énervé les internautes sur Facebook et Twitter. C'est forcément la faute sur Khadija Shaw, qui avait évité deux parisiennes. Et la troisième lui a, on va dire, donné un coup de crampon. Moi, je veux pas soulever la jambe parce que voilà. Mais là, l'arbitrage n'a pas mis d'avertissement, quoi. Alors que Khadija Shaw se tordait de douleur. Bon, elle a été évacuée du terrain, mais elle est rentrée après. Mais bizarrement, c'est vrai que l'arbitrage n'a pas forcément tranché pour un carton jaune. Après, bon. Vous connaissez un peu la mentalité du public bordelais, hein. On va pas se mentir là-dessus. Hein. À un moment donné, il y a un truc que je me souviens, c'était en 2019 justement. Souvenez-vous que la Jamaïcaine avait commis la même bêtise face à Roman Munich. Et que là aussi, elle n'avait pas pris de carton jaune, donc voyez un peu le karma dans tout cela. Donc voilà. Et donc après, bon, il y avait, comme je disais, c'était assez animé. Et puis là, d'un coup, comme je dis, je pense que c'est voilà, hein, c'est l'erreur de la jeunesse. Hein, on va pas se mentir. On va pas la rabaisser ou quoi que ce soit, Julie Dufour, qui a concédé un penalty
Alors, je me rappelle plus de la. De quelle minute c'était. Donc, ça a été transformé par Gaëtan Tiné. Et oui, avis à tous ceux qui l'insultent sur les réseaux sociaux. Je parle pas de Julie Dufour, hein, mais de Gaëtan Tiné. Qui disent ouais, elle est trop vieille, machin et tout. Alors, certes, elle est plus en équipe de France depuis. Depuis la pré-coupe du monde. Mais au moins, elle continue à marquer des buts. Donc, fermez un peu votre gueule, les anti-tinés. Ce serait gentil quand même. Et donc là, bon, elle se quitte sur un score de parité, donc de un but partout en première période. Alors, bien sûr, le match s'était commenté par. Alors, je ne sais plus le nom de la fille, mais par contre, c'était l'ancien entraîneur des Girondins de Bordeaux, Jérôme Dauba. Bon, bien sûr, je vais pas forcément revenir sur les trophées de meilleur entraîneur qu'il a obtenu. Parce que là aussi, je reste. Je l'ai encore au travers de la gorge. Et donc. Encore le dernier. Je dis pas, mais le premier. Voilà. On va pas refaire un débat là-dessus. Hein. On va avancer maintenant. Et le truc, c'est qu'il y a des gens. Enfin, il y a un internaute, je crois que c'était sur Facebook, si je me trompe pas. Qui disait ouais, les commentateurs, ils sont pro-parisiens. Attends, je te fous de ma gueule, mec. Jérôme Dauba, il a entraîné les Girondins de Bordeaux. Et toi, tu oses dire que. Qu'il est pro-parisien. Alors, honnêtement, même si je l'ai pas forcément apprécié en tant qu'entraîneur, mais j'ai vraiment apprécié sa prestation de commentateur. Voilà, il a pas hésité à parler des deux équipes, contrairement à certaines et certains qui sur n'importe quel match te parlent constamment de l'Olympique Lyonnais et du Paris Saint-Germain. Alors que c'est même pas ces deux équipes qui jouent, hein. Mais c'est pas grave, ils parlent de l'Olympique Lyonnais ou de Paris Saint-Germain, tu sais, c'est constamment à chaque match, quoi. Et donc voilà, franchement, j'ai apprécié quand même les commentaires de Jérôme Dauba sur ce match, honnêtement. Donc, on passe à la deuxième période. De ce match. A grim truth and just the youth to make sure you prepare. This world at times can be severe. It makes no sense as a father raising a son in the country living in fear when we hear. And pops gonna lead you a steer. Et regarde, what else? Non, regarde. Donc, la deuxième période, on va dire c'était. Je dirais peut-être pas si plus animé que la première. Il y a eu quand même quelques moments de ralentissement, on va dire. Et puis le deuxième but. Oula merde. Donc je disais, ouais, le deuxième but de Katja Deutsch. Encore des deux, si je prononce mal son nom. Comme la islandaise là, c'est pas grave. Voilà, je sais même pas comment dire son nom de famille, mais bon, c'est pas grave. D'ailleurs, qui était absente du groupe, hein. Je crois qu'elle est blessée. Super pour une recrue. Bref, donc je disais quoi, oui, la deuxième période a été moins animée que la première. Et donc là, on a assisté au deuxième but de Katja Snoich, donc un doublé. Mais j'avoue que là, j'ai pas compris en fait la motivation de la gardienne du Paris FC, donc Ndouzi, la Nigérienne. En fait, elle a voulu intervenir parce que le ballon arrivait très vite dans sa surface. Mais on sait pas pourquoi, en fait, elle s'est avancée. Mais elle s'est dit, oh, attends, elle a freiné d'un coup, quoi, limite. Comme si elle voulait pas intervenir et tout.
Donc ça a profité pour Khadija de mettre un doublé. Voilà, donc il y avait 2-1 à ce moment-là. Et suite encore à une fois un pénalty concédé. Alors je sais pas qui est le fautif dans la situation. Et donc c'est Gaëtan Tiné qui l'a retiré. Katia pour la deuxième fois. Et là, bon, on se dit c'est peut-être la fatigue à force après une heure de jeu. Donc elle a mis au-dessus. Bon, après elle s'est plainte qu'il y a quelqu'un qui lui a dit des choses pas très cool. Franchement, il faudrait savoir ce qui a été dit, mais bon, comme je dis, ce qui est sur le terrain reste sur le terrain. Puis là, bon, après, comme je dis, ça devenait un match assez fermé. Et là, jusqu'à qu'on fasse entrer celle qui sera la héroïne de ce match. Et en plus de ce que j'ai appris, c'était son dernier match avec le Paris FC avant de repartir aux États-Unis. Puisqu'il s'agit de la Canadienne Evelyn Vien. Non, pas bien pas dans la vidéo, hein. Mais elle s'appelle bien Evelyn Vien. V-I-E-N-S. C'est comme ça. Donc, pas de jeu de mots avec son nom de famille, hein. Ok. Non, mais oh. Ah, je déconne. Et là, ben. Voilà, vu que les remplaçantes, ben, elles apportent toujours un petit peu de fraîcheur pour la suite du match, pour essayer de changer la physionomie du match. Et ben là, voilà, le réalisme de la Canadienne a parlé. Et au final, ben, elle a réussi à marquer un doublé face à une équipe de Girondine, voilà, qui commençait à ressentir la fatigue. Bon, ce qui arrive souvent. Après, c'est vrai que Khadija Chou, voilà, après le mauvais coup de crampon qu'elle a pris au début du match, je trouve que ça l'a affaibli un petit peu. Mais bon, voilà, au final, c'est la victoire du Paris FC, donc 3-2. D'ailleurs, c'est le même score qu'en 2017. Donc, avec la dernière saison de Sarah Cambo et tout, là. Quand il y avait Carole Rodriguez, avant qu'elle se blesse gravement. Voilà, c'était le même score aussi. Donc, après, voilà, au classement. Classement, ben voilà quoi, c'est ça. Certes, les Bordelaises restent 3e, mais bon, on va dire que Paris FC essaye du moins qu'ils peuvent de réduire l'écart, même si on a encore 11 points d'écart. Donc, elles sont officiellement 3e, synonyme de qualification en Ligue des Champions. Ce qui est déjà énorme. Et puis voilà quoi. Et donc, qu'est-ce que je peux dire de plus? Ah ouais, j'ai un coup de gueule à passer à la communication des Girondins de Bordeaux, dans la section féminine, ceux qui gèrent la page Twitter, notamment. Attendez. Désolé de cette petite interruption. Et je précise, je n'ai pas le Covid. Bref. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, un petit coup de gueule à la communication des réseaux sociaux, la section féminine des Girondins de Bordeaux. Parce qu'en fait, le truc qui se passe, c'est à la veille du match, ils te mettent à peu près les sélections
la liste, pardon, des joueuses sélectionnées pour le match du week-end. Donc, comme vous voyez à l'écran, il y avait quasiment tout le monde, bon, sauf Oulié Matassar, vu qu'elle est blessée. Donc, il y avait la joueuse islandaise, Svava. Il y avait l'américaine, ouais. Bekeli, je crois. Il y avait Claire Lavogé, il y avait Goudia Karchfunin. Et là, coup de théâtre. Donc, à quelques heures du match, il te donne la compo officielle, donc le 11 de départ. Et là, on voit pas ni Claire Lavogé, ni Guntia Karchuni, ni Svava, ni Bekeli, je crois. Et puis c'est tout, je crois. 4 blessés. Enfin, ou les Matassar, voilà. Mais en fait, qui était au courant que Claire Lavogé, que Guntia Karchuni et que Svava était blessé et que Bekeli était blessé? Qui était au courant en fait? Parce que le dernier match des Girondines, c'était contre Dijon. Ouais, ça, contre Dijon. Claire Lavogé, que je sache, a été sur la feuille de match chez la remplaçante. Karchouni aussi. Donc il y a quand même un sacré souci là. Alors soit ils étaient mal informés et dans ce cas-là ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient. Soit ils nous prennent pour un con. On va pas se mentir là-dessus les gens. Parce que au final les 4 joueuses que j'ai citées, elles étaient dans les tribunes à regarder le match. Donc c'est un peu... Après, ceci dit, dans l'exemple de Guntia Karchuni et de Claire Lavogé, voilà, on sait que Claire Lavogé était de retour de blessure, je crois, dès début 2021. Donc, elle a manqué un match contre le Havre, en Coupe de France, contre le Paris Saint-Germain. Elle a repris à mi-janvier, un truc comme ça, je crois. Et donc, ils ont. Elle a grappillé quelques temps de jeu. Et comme je dis, à moins qu'elle se soit blessée dans la semaine pendant l'entraînement, on sait même pas, tu vois. Il n'y a même pas de. Il n'y a même pas de nouvelles, quoi, d'informations. Même pour Guntia Karchuni, on sait même pas si elle s'est blessée à l'entraînement ou on sait pas. Donc franchement, je trouve que la communication fait mal son travail. Ben, après je dis pas ça méchamment non plus. Mais je veux dire, t'es la page officielle du club, donc de la section féminine. Donc fais quand même bien les choses. Va t'informer. Et là il n'y avait rien, quoi. Et en plus le banc des remplaçantes. Et c'était limite réduit, quoi. Réduit dans. Attends. Ouais. C'était limite réduit, quoi. Et il y avait qui? Il y avait André Alardez, qui n'est même pas rentré en plus. Il y avait Delphine Châtelain, Romane Bruno, bon, qui n'est même plus titulaire depuis le match nul contre le Stade de Reims en l'ouverture de la saison. Il y avait qui d'autre? Il y avait Mikaela Cardia et Palis, je crois. Il
n'avait que 5 joueuses. Alors, on sait très bien que Delphine Châtelain et André Lardès, ce sont deux défenseurs latéraux. Donc, en l'occurrence, à droite pour Andrea et à gauche pour Delphine Châtelain. Elias Balis, c'est une milieu, je crois, offensive. Ou attaquante. Cardia, c'est pareil. Donc voilà quoi, il y avait. C'était le banc de remplaçante en réduction quoi. C'était vraiment du n'importe quoi. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule que j'avais à faire sur la communication quoi. Donc, pour la première nouvelle, on va partir direction l'Irlande avec le retour de Chloé Moustaki, donc l'ancienne Girondine lors de la saison 2016-2017. Bon, pour rappeler un peu les choses, elle s'était blessée gravement lors de la qualité avec la sélection irlandaise pour préparer les qualifications pour l'Euro 2021. Bon. Qui sera en 2022 au final. Elle s'était fait les ligaments croisés, je crois. Et bon, ça forcément, ça a mis du temps pour qu'elle se rétablisse. Et au final, donc, d'après mes informations, elle devait revenir. Elle devait retrouver un club en décembre 2020. Bon, vu que les choses sont très difficiles en ce moment avec les trucs sanitaires là, donc ça a un peu retardé son retour. Donc elle a profité pour reprendre ses repères. Et donc là, il y a une ou deux semaines de ça, elle a annoncé sur son Twitter qu'elle revenait au club irlandais qu'elle a évolué en 2018-2019, la saison 2018-2019 pardon, à le club de Shelbourne. Et le début de saison se commencera à la fin mars, donc j'essayerai au maximum de faire suivre la saison avec elle, pas tout le long quoi. Je crois même pendant les périodes estivales, je crois. Donc voilà, bon, sur ce Chloé Moustaki, bon retour sur les terrains. Et puis bonne saison quoi. C'est tout ce qu'on peut espérer de notre ancienne Girondine. Et puis enfin, pour finir ces nouvelles. Donc avec l'ancienne Girondine Sophie Tillard qui jouait dimanche à 11h30. Alors le club, je sais pas comment il s'appelle, mais bon, ça s'affichera à l'écran. Et ils se sont quittés sur un match nul, un but partout. Et au classement, elle se positionne en 10e, à la 10e place, si je me trompe pas. Après, si je peux dire un truc, ça va être regrettable, hein, vu que bon, il est resté un an de contrat avec les Girondines, mais je sais pas, enfin, à vous de me dire sur les réseaux sociaux ou en commentaire si vous pensez qu'elle va regretter à la fin de la saison d'être partie des Girondins de Bordeaux. Vu que voilà, elles sont quasiment qualifiées en Ligue des Champions. Donc est-ce qu'elle a bien fait de partir ou c'est vraiment un regret? Dites-le-moi en commentaire les gens, s'il vous plaît. Donc voilà, on arrive à la fin de ce débriefing. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à lâcher un gros pouce bleu. À me suivre sur Facebook et Instagram
pour être au courant de mes prochaines vidéos, ou même que je réagisse à l'actualité du football féminin. À l'actualité du football féminin. Et puis activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos qui sortiront sur YouTube. Et puis voilà. Ah non. Ah, pour faire une pour faire une petite fin de vidéo originale, j'ai pensé à un truc. Je reviens. Donc, pour finir cette vidéo, j'imaginais faire un trick shot à la Dude Perfect. Donc la célèbre bande américaine qui font des défis complètement tarés, hein, on va pas se mentir là-dessus. Donc, tout simple. Donc, on a une balle de tennis, une poubelle, et juste un abruti qui va faire un petit trucage pour faire croire qu'il est très fort alors qu'il est mauvais. Allez, c'est parti. Donc je sais pas si vous me voyez, hein. En tout cas, je pense qu'on va pas faire qu'un premier essai, hein. Attendez, je regarde juste l'angle. Ok. Bon, vas-y, on va au moins se mettre là parce que c'est trop chiant sinon. Allez, première tentative. Et pour vous prouver qu'il n'y a pas de trucage, j'ai mis la webcam, hein, sur l'ordinateur pour vous prouver. Hein. Voilà. Hop, ok. J'ai jamais été aussi concentré, quoi. Allez. Oh putain, quel beau lancer. Oh, le lancer de malade. Oh, le lancer. Music licensing reimagined. Oh, je suis trop fort là. Ah, ça y est, on est le lundi matin. Là, je suis trop fort, c'est bon. Allez, pouce bleu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et on se retrouve pour un prochain débriefing. Allez, ciao, ciao. Wouh!